Ça s'est passé chez Coé. Oui, allô ? Ça va, mon Xavier ? Ça va, je fous pas trop de bruit, je suis dans le bus, là. Non, mais d'accord. Vas-y, pour l'instant, t'as si pas besoin de faire du bruit. Tu pourras pas gueuler ? Si, parce que je vais sortir, là, j'arrive chez moi, là. Ah oui, bon. D'accord. Xavier, à côté de toi, il y a Charlotte. Ça va, Charlotte ? Ça va. En stress. Ah, t'as envie d'y aller. Ah, carrément, ouais. Bon, Christophe qui est là. Ça va, Christophe ? Ça va super, oui. Bon. Merci. Guillaume, ça va, Guillaume ? Ça va bien. Bien, il flippe un peu. Bah, un peu, ouais, dans le camion, donc ça va. Lily qui est au téléphone, ça va, Lily ? Oui, on est là. Les gars, vous êtes là ? Non. C'est que pour deux. Lily, c'est quoi ce monde ? T'es où, là ? Je suis prof et en fait on est en colo en Ardèche avec ma classe de 4-7 là, ils sont trop aventure et ils sont à fond quoi. Passe-moi un jeune, les jeunes ils veulent parler avec quelqu'un. Celui qui sait le mieux parler de tous. Allô ? Allô Jérémy, ça va ? Oui ça va. C'est Coé, t'es en forme ? Oui ça va. Jérémy, je peux te parler deux secondes là ? Ouais vas-y, je vous écoute tous les soirs en plus, je vous kiffe. Ah c'est gentil mon pote. Ah vous êtes trop fort. t'as raison, je peux pas te contredire. Jérémy. Ouais. Elle est comment ta prof ? Dis-le moi franchement, physiquement. Franchement elle est pas mal. Jérémy. Elle est pas mal. C'est oui. ma dernière question, est-ce que tu crois qu'elle est célibataire ? Ah je sais pas, faudrait lui demander. Ah je lui demanderai. Axe majeur ! Ouais. Bon allez repasse-moi ta prof, c'est peut-être elle qui va partir, c'est là qu'elle gagne en Australie. Je passe à la radio là. Bah oui. Bah oui. Bah t'es en train de passer à la radio. Je vais en fait, pas t'appeler là. Comme ça en allant faire un petit pipi aux toilettes. Bah oui. Bah oui mon vieux. Bon, repasse... Ah c'est trop fort. Elle est trop mignonne. Repasse-moi ta prof tout de suite. D'accord. Allez ciao. Allô. Hey, il m'a dit que t'étais super jolie. Oui, ils sont gentils, ils sont adorables. Et il a pas su me dire si t'avais un fiancé ou pas. Oui, j'en ai un. Oh merde. Bon. Erika, je te présente Erika qui est la dernière à avoir joué avec nous aujourd'hui. Ça va, Erika ? Oui, ça va, nickel chrome. Et moi, je suis célibataire. Mais si jamais tu vas en Australie, tu pars avec qui ? Avec toi, Koé. Oh, ben non, je peux pas, j'aurais été avec plaisir. Moi, t'imagines un peu partir 20 jours avec un mec que tu connais pas ? Peut-être que je suis le mec le plus relou de la vie. Ah, ouais. Non, j'emmène mon fils avec moi, mon fils de 12 ans. Ah, bah ça va lui faire plaisir. Et vous avez tous des passeports, des machins, des trucs comme ça, hein ? Ah ouais. Bon, sinon, vous pouvez les... Alors, j'ai des petits papiers. Bon, on n'a pas tellement envie. Ah, il le fait. Il est en train de le faire. Il en a tiré un. J'en ai pris un. Mais peut-être qu'il a pris celui qui est le premier éliminé. Oh putain. Dans le genre de ce n'est pas toi. Non, t'as pris le gagnant, Coco. J'en ai pris un et vous avez remarqué comme j'ai fait. Ouais, il a regardé. Je l'ai fait en. J'en ai un dans la main. Bon, il a le gagnant dans sa main. Je peux regarder ? Non. Oui, et si on faisait. C'est pas toi. Voilà. C'est pas toi. C'est dégueulasse. On va le faire quand même. Alors, je le mets dans ma poche derrière. Voilà. Ah oui. On y va. C'est moche. Hein. Ah, c'est moche. Ah donc ouais, t'as quand même gardé le gagnant dans ta poche. Le premier qui l'a tiré, c'était le gagnant. Maintenant, il nous dit qui n'a pas gagné. Ça n'est pas Guillaume. D'accord. Ok, ça n'est pas Guillaume. Bisous mon Guillaume. Ah oui, merci. À bientôt mon pote. Bisous. Ah, la Normandie, c'est bien aussi. Ah ouais, là, je suis désolé, ça va faire des gens qui. Alors, ça n'est pas qui. Ça n'est pas Erika. Ah merde. Non, c'est pas grave. Oh, je suis désolé. Dommage. Je t'embrasse. C'est pas grave. Je t'adore. Embrasse le fiston. Bisous. Bisous. On va vous filer des cadeaux en antenne. Hein. Ça se joue entre Xavier. Oh là là. Et Lily. Oh là là. Les gars, une chance sur deux. Ah là, la prof est revenue. Maintenant, on a une chance sur deux. Alors, c'est Xavier ou Lily, c'est ça ? Ouais. Hello, j'ai l'enveloppe qui a été donnée par Maître Anculus. On va savoir qui est le gagnant de la Star Academy. Je fais un tour sur moi-même et je repars. Attention, je fais une photo. Bon. Je prends dans ma poche. Musique plus fort, musique suspense. Donc attends. Là maintenant, je récupère celle que j'ai mise de côté. Alors là, il a le nom du gagnant dans la main. Là, c'est celle que j'ai mise de côté tout à l'heure. Voilà, et qui est donc la gagnante. Perdant. Vas-y, moi je fais comme si j'étais dans ton oreillette. Gagne du temps. Le gagnant. Chut, ta gueule, gagne du temps. Ou la gagnante. Entre Xavier et Lily. Ça va Xavier ? Ça va Lou ? Ça va Lily ? Ouais, je vais trop pleurer là. Mais chiale pas, t'as peut-être perdu. Allez, Coco. Petit loulou derrière. Allez, Coco. J'ai le nom. Ah, oh merde. J'ai vu avec la caméra, mais c'est cadré. Dis donc, toi, t'essaies de regarder au-dessus de moi. Il nous l'a fait à la Denis Brognard pour Koh-Lanta. Allez, il y avait alors, le mot sur le chèque. Ou la gagnante. J'ai le nom.
Celui ou celle qui va partir grâce à Australia.com 20 jours en 20 jours en Australie avec Etihad Airways et l'agence Australie Autrement. C'est... Putain. Allez. Lily. Je rappelle, qu'elle est prof. Sans prendre la portée et tout là. Excuse-moi, je suis la vraie, c'est ma photo. Lily, tu gagnes ton séjour en Australie, ma chérie. Je te fais plein de gros bisous. Elle a dû taper un élève, elle est en train de s'excuser là. Remettez-moi tout, les gars, s'il vous plaît. Ils ont cassé des trucs. Je suis la vraie. Non, mais c'est pas grave, on va pas savoir. Non, non.